Elle voit son enfant, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir demain. Tout dépend d'ici. Et c'est ça nos problèmes en Afrique. On met les enfants au monde, on ne sait pas leur avenir, on s'en fout d'eux. Moi-même là, j'ai suivi le cacao de mon papa. Il faut faire la même chose. Mais c'est ce que tu as fait. Ton enfant ne doit plus faire ça. Il est étonné que les enfants sont sorciers. Ils vont manger. Comment tu peux donner un enfant banane, braisée, l'eau rouge, pour lui dire va à l'école, ils ont venu déjeuner. C'est ce que moi j'ai mangé avant. Mais ton époux et son époux, c'est pas pareil. Un petit comme ça qui mange banane rouillée, banane braisée, c'est quel papier qu'il y a dans la tête? Nous sommes autant de chocolat, pain, beurre. Toi, c'est banane braisée. Préhistoire, tu rentres dans ton histoire, tu ramènes ça à l'enfant. Mais l'enfant n'a pas de sorcier pour démanger. Et puis au village, c'est bon subi, vous savez ça au moins. Quand il repart par le soir, si il gagne pas là, il va pas manger. Il va aller là pour manger. Vous êtes étonné que vos enfants vont sorcier. Il va être dans les conditions dans lesquelles vous mettez les enfants. Maintenant, l'enfant est malheureux. Elle-même est pauvre. Et il ne faut pas vivre ça. Il faut vivre ça. Comment ils vont faire enfant comme ça? On recalcule. On calcule. Nous, on fait enfant, on fait enfant. Il y a un qui a grossi une fille, c'est moi qui ai fait le trousseau. Il dit, moi, quand il est là, il ressemble à couper de trousseau. Quand tu voulais faire enfant, tu n'as pas réfléchi. C'est moins calculé. Tu travailles ici, tu as un salaire, on va te payer. Hein? Tu vas te doubler tes pères. Tu vas comprendre la réalité des choses. Ce n'est pas facile la vie. Ne voyez pas la vie, c'est facile. Nous, les Africains, nous devons être délivrés d'ici, cette mentalité. Amen. Si on est délivré de la sorcellerie, il faut que la mentalité soit délivrée. Pensons positivement. Ne soyons pas en retard. Amen. Voilà que Dieu nous aide. Et notre ministère donne la possibilité, même aux sorciers, de s'en sortir. C'est-à-dire les 16 sorciers. Nous prenons le temps, la plupart ici, les gens étaient sorciers, avant qu'on en a délivré. Il faut leur donner la vie, leur communiquer la vie. C'est pour ça qu'il y a un frère venu du Cameroun, qui est en Allemagne, c'est un grand frère camerounais, dans mon avis, est venu pour apprendre ici. Dans son village, il est sorcier. Nous, ici, on ne tue pas. On ne brûle pas sorcier. Mais il y a une manière de prier. Si tu ne veux pas laisser les gens, tu tombes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc, nous, notre ministère consiste à la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est un centre d'écoute. Je viens en train d'aménager. Vous verrez tout à l'heure, bientôt ici, tout ça. La salle sera climatisée, tout ça. Il doit de temps en temps des enseignements ici. Mais notre centre de prière, de délivrance, c'est à Zazo. Voilà, à partir de jeudi, allez, jeudi prochain, on démarre. Nous démarrons le jeudi. Le jeudi jusqu'à dimanche, tout à Zazo.